un hachis parmentier vegan, une version végétale d'un grand classique de la cuisine. On va commencer par éplucher et couper quelques pommes de terre et une patate douce en petits cubes pour une cuisson plus rapide. Ce mélange de patates va permettre d'adoucir le côté parfois trop sucré de la patate douce. On les met directement dans de l'eau bien salée et tant qu'on utilise la planche, on peut aussi couper quelques gousses d'ail et un demi-oignon pour plus tard. On fait chauffer la casserole jusqu'à ébullition et on laisse cuire. On contrôle avec un couteau si c'est cuit, puis on peut égoutter. On va pouvoir écraser les pommes de terre pour en faire de la purée, ajouter un peu d'huile et rallumer sur feu doux quelques minutes pour sécher légèrement la purée. Place maintenant au haché végétal, on va faire revenir les oignons avec de l'huile et une fois cuit, ajouter le haché et l'ail. Du sel, du poivre et une fois la cuisson finie, on peut composer notre parmentier. Dans un plat allant au four, on dispose le hachis végétal, quelques châtaignes concassées, la purée à étaler uniformément et pour finir de la chapelure. Direction le four pour réchauffer le tout et dorer le dessus, il ne nous reste plus qu'à se servir une bonne part. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit!